Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder la mise à jour Secret World Legends. Je suppute déjà que c'est du... Hein, voilà, en barre, que ça va être naze, que c'est fait avec les pieds en 4 secondes, que ça a un niveau d'imagination extrêmement bas, comme la plupart des développeurs de jeux actuellement, qui sortent des extensions au rabais, fait très très vite, mais... Avant de nous plaindre, même si c'est un peu déjà fait, on va examiner Dark Agartha. Et franchement, la promesse est sympa. L'Agartha, c'est le lieu où vos personnages se réfugient dans Secret World Legends. C'est le jeu hors d'atteinte. C'est le jeu, c'est n'importe quoi. C'est le lieu, pardon, hors d'atteinte. C'est le lieu où le mal ne vous guette pas. Et... je trouve intéressant qu'il y ait comme ça un espèce d'endroit clairement magique, hors du temps, où se terre le pouvoir qui est en vous, la source même du pouvoir qui est en vous, et qui a l'air infranchissable, sécurisé, etc., etc. Bien qu'on ait vu au début de Tokyo que la souillure a réussi à y foutre un pied. Et là on nous vend Dark Agartha, où quelque chose a réussi à corrompre l'Agartha. Et je serais bien un fichu d'en dire plus, puisque j'ai pas encore foutu les pieds, et qu'on y va ensemble. Mettons-nous en route, et chaussons nos lunettes qui protègent les yeux. Nous y voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous a concocté? On nous raconte que du 11 octobre au 1er novembre, c'est Halloween. C'est bien, on est le... Et le 17 ou le 18, c'est ça l'idée. Initiate, on sait pas ce que c'est. On va prendre notre récompense de connexion. Sur le papier, rien de nouveau est annoncé. Pas de quête qui pop, que dalle. On va prendre le TP directement, on va pas se faire chier. Téléportation, hop, plateforme principale de l'Agartha. Arrivé à la plateforme principale de l'Agartha, tout a l'air d'aller bien. Je me suis absolument pas renseigné sur où aller, quoi faire. Je veux voir ce qu'on me... Je veux voir ce qu'on m'apporte. Je veux voir ce qu'on me donne sans que j'aie à creuser. Rien de particulier, ni dans les dialogues, ni quoi que ce soit. Rien à l'horizon qui laisse penser que l'Agartha va pas bien. On attend que tout ça charge. L'Agartha, c'est le lieu du lag. Alors, est-ce que dans les missions de Parangon, il se passe quelque chose? La Terre creuse vie, se développe et change, au même titre que ses occupants. Récemment, ces derniers ont vu un portail apparaître non loin. Geronimo de Montero, l'explorateur et cartographe de l'Agartha, l'a rapidement examiné, ce qui lui a permis de déterminer qu'il y avait un monde sombre et inquiétant de l'autre côté. Oui, c'est ça l'idée. C'est pas le renégat? Ah non, le renégat, c'est autre chose. Donc autant on emporte le temps. On y va. On a reçu une mission. Rendez-vous au stand du trafiquant de l'ombre. Bah allons-y de ce pas. Pour l'instant, ni animation, ni discours, ni vidéo, ni rien. Juste un lac de folie. Hop. Récupérez le paquet laissé à votre attention, il a l'air d'être là.
Une petite note est agrafée sous le paquet. Regardez en dessous du cerbère. Le cerbère est une sympathique petite créature qui vit sur le côté de l'entrée. Techniquement, il est là, le cerbère. Et alors, sous le cerbère, sous-entend qu'il faut que je me laisse tomber, je suppose. Alors, on va essayer de tomber où il faut. Ce qui n'est pas si évident que ça. On va se laisser tomber assez bêtement là. Voilà. Hop. Et c'était là, ben dites donc. Ils ont rajouté un bout de branche tout pété. D'accord, il n'y a pas de légende particulière sur lesquelles cliquer. Il n'y a pas de morceau tout pété en dessous. Il n'y a qu'à rentrer. On va faire de l'élite 1. Parce qu'on découvre, parce que comme ça on sera très puissant et très balèze et qu'on arrivera au bout. Sortie du portail. Petit cercle certainement de protection. Truc en 3D pour désactiver l'écran est certainement lancé. Vous harmonisez. Une fois fait cela, vous disposerez d'un temps et d'un nombre de vies limités pour vaincre tous vos adversaires. Si vous échouez, vous pouvez réveiller. Bon, eh ben, je suis harmonisé, j'ai 17 minutes. Ah d'accord, donc les échos du savoir, c'est des légendes. Donc en plus, il y a des légendes à ramasser en 17 minutes. Je vais quand même juste un peu prendre mon temps pour faire le tour. Visuellement, ça me déplaît pas, hein. Champignons comme ça, c'est toujours mignon. Ambiance obscure, sinon bah c'est la Gerta, hein. Ils ont juste mis un filtre dessus. Ah, je passe directement en mode combat. Bête de guerre, ok. On cherchera plus tard. Ça a du quoi, du 140 000 points de vie à la base, c'est pas dégueu. Ça enflamme. Ça ne se renverse pas. Ça résiste énormément. En termes de modèle 3D, c'est un modèle à la con. C'est un modèle comme on en a vu des millions. Y a rien de plus là. L'écho, non. Cette plateforme n'avait pas atteint sa taille finale quand l'apocalypse a arraché l'essence vitale de Gaïa. Capacité de malédiction, affectant les ennemis proches. Ouais, ok. Découvre. On fait des bons jusqu'à la nuit suivante. Les débris sont tombés au centre de cette plateforme, chauffant dangereusement le bois très sec. Un embrasement spontané n'est pas à exclure. Santé de fer, santé accrue. Plateforme, elle a l'air pétée en deux. Je sais pas si je peux sauter d'un bout à l'autre en fait. Oui, on dirait que je peux. On va attendre qu'il fasse sa petite zone quelque part, forcément, fatalement. Hop là, on s'est un peu prise. Il se renverse pas non plus. Ah, t'as raison, pourquoi s'emmerder. On va
va l'avoir tranquillement comme ça. Il ne fera pas tous mes points de vie avant que je le défonce. Ok. Donc on peut tourner. Il n'y a rien au centre. C'est pas la peine de sauter. Il n'y a rien de cliquable. On va au monstre suivant, d'accord. Une petite route sympa. Un petit truc sur lequel cliquer pour avoir des infos sur le mob. Ouais, ils se sont pas foulés. Hein. Franchement, je pensais dire ils se sont pas foulés, mais ils se sont super pas foulés. Ok, donc il est chiant au cac. Et il inflige des silences. Il y a des zones qui tournent, qui ne sont pas des ennemis. Qui ne sont pas ni tuables, ni ciblables, ni quoi que ce soit. Il n'est pas renversable. Ok, d'accord. On a compris comment ils ont fait. Je sais pas si j'arriverai à sortir à temps. Oui, parce que c'est suffisamment lent. Succession de boss, insensible à peu près tout, avec des gros points de vie. Il n'y a aucune animation, il n'y a aucun background, on n'apprend pas ce qui s'est passé. Ok, d'accord. C'est même pas un donjon, c'est nul. Et c'est à répéter. Voilà, c'est à répéter tous les jours, en gros. Qu'est-ce qu'il nous dit l'écho du savoir? Les nombreuses brindilles, griffes multidimensionnelles, plateforme, attention vous mettez les pieds. En cas de menace, déclenche une canalisation de feu de longue durée. Ouais. Certes, Albert, faut que je saute. Faut que je saute. Ah mais t'es là, bon je l'ai pas vu. Il s'est téléporté, donc c'est ça le... C'est ça le fun. Alors, il n'est pas renversable. D'accord, donc je colle des zones de feu comme ça autour de moi en boucle. C'est l'air d'être ça l'idée. Donc, c'est bien que techniquement je devrais pas me rapprocher de lui, mais on va le faire quand même. Il s'est épé là-bas. C'est ok. Donc en fait, il doit y avoir un moment où en termes de difficulté, ça devient juste débile, compte tenu du fait que le gars il est immunisé à tout. Voilà, qu'on peut pas le renverser, tout ça, tout ça. Ah bah il s'est TP directement. Ok. Les boules de feu, elles sont à tête chercheuse. Voilà, bah bravo. Pendant qu'il fait ça, il a l'air très invincible. On va sauter la plateforme suivante. Voilà, j'ai cliqué, merci. Méfiez-vous du fungus, absorbe votre anima et le transmet à ce qu'il reste de Gaïa.
donc c'est toi. Le Cerbère endommagé. Qui a 175 000 points de vie. Qui pose une jolie zone au sol. Qui a divisé ma vie par deux parce qu'il y a eu du lag. Voilà, et quand tu lags, ça divise ta vie par deux, d'accord. Et qui te tue. D'accord. Et qui te tue parce qu'il te tue. Et qui te tue parce que... Parce que... Voyons voir. Absorption d'anima. C'est ça qui me fait des dégâts tout le temps. Absorption d'anima endommagé. Vous touche, il me fait 800 points de dégâts par seconde. Alors est-ce qu'il faut l'interrompre? Peut-être ça. Hein. Peut-être simplement qu'il faut l'interrompre. On va garder mon interruption pour ce moment. Et une grosse zone, on en sort. On va essayer de se soigner. Ça fait très mal. Non, il me tue, d'accord. Et on va essayer une troisième fois. Et on va arrêter là parce que c'est pas rigolo, c'est chiant, c'est pas très inventif. Et on a mieux à faire ce matin. Seul bon côté, c'est que je le blesse à chaque fois. Je vous l'accorde. Il me fait très mal. Il me fait très très mal. Bougez plus. Bougez plus, on l'a eu. Je sais pas comment. C'est n'importe quoi. C'est le... Ouais, j'ai un coffre. Je peux bouger, merci. Alors, je peux avoir des fragments de glyphes élaborés. Une arme extraordinaire, un talisman extraordinaire, 800 éclats d'animaux. Mystère, hop. J'ai eu 800 éclats, artefacts d'un autre monde, et de les fragments, combiné 300 fragments, pour constituer un insufflateur de glyphes à 4 points. 300 fragments, 300 putains de fragments, sa mère. C'est tout? C'est quoi ça? Ah tiens, quand je marche dedans, ça me bouffe mon énergie. Faut pas marcher dedans. Eh ben voilà, on le sait, faut pas marcher dedans. Avant de me barrer de ce mode de merde, là aussi, faut pas marcher dedans. Faut rester sur le bois. C'était peut-être ça qui me bouffait ma vie sans que je le voie, c'est que je devais simplement marcher sur ce bois-là. Qui s'appelle excroissance dévorante. Bah voyez, on finit par comprendre les trucs. Ah, c'est magnifique comme jeu, quand on comprend les trucs. Qu'est-ce que j'ai pas testé? J'ai pas testé ça. Youpi, je saute, je tombe dans le vide. Et je réapparais là. D'accord, ok. Sortons de l'Agartha obscure. Et voilà. Et c'est tout. Retournez au couloir sacré de l'Agartha. Vu qu'il n'y a rien pour sauter, je suppose qu'il faut juste se laisser tomber dans le vide. Ok. Et qu'il faut retourner... Waouh.
Waouh, impressionnant! Et on gagne un insufflateur de glyphes élaboré. Peut améliorer une glyphe complexe de qualité épique, au mieux pour le transformer en glyphe élaboré. Alors, je vous avoue que là, ça me parle juste. Ça me parle juste pas. Un glyphe complexe de qualité épique au milieu, donc pas plus qu'épique. Alors, est-ce qu'élaboré c'est rouge? Je sais. Alors, on va voir. Puisque j'en ai des glyphes. Ça, par exemple, c'est un complexe de qualité épique. Si je le mets, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir un glyphe élaboré. Donc c'est, ils ont rajouté un stade au-dessus de complexe qui avant était visiblement le meilleur. D'accord. Sauf qu'en fait, si je fais ça sur un glyphe simple, ça me l'envoie directement élaboré. Donc si là je mets ça et que je mets leur truc, ah ben je peux pas. Donc c'est pas épique au mieux, c'est épique, c'est il faut qu'il soit complexe. C'est ça l'idée. Ça par exemple. Il faut au moins qu'il soit épique. Là, ça me passe le virulent en élaboré. D'accord, d'accord. Là, par exemple, j'ai un glyphe précis complexe. Hop, il passerait en glyphe précis élaboré. Ce qui veut dire encore plus de toucher. Ok. Alors que là, j'ai un glyphe virulent simple, il n'est pas complexe, donc il passera pas élaboré. Et ben, on va miser sur le toucher. Et donc, grâce à ces fragments tout pourris, je peux arriver à en créer un quand j'en aurai 300. C'est-à-dire qu'il faut que je répète ce truc débile que je viens de faire un nombre de fois relativement incalculable. Voilà. Voilà, c'était Dark Agartha. Hein, ma foi. Essayons d'évaluer ensemble le temps que ça leur a pris. Alors, je prends l'Agartha. Je prends le modèle 3D de l'Agartha. J'applique un filtre comme ça. Je fais en sorte que les champignons soient lumineux. Je prends 4 monstres que je bourre de points de vie et que je rends insensibles à beaucoup de choses et qui sont coincés sur une petite, sur un petit endroit. Il n'y a pas un mob, pas une scène animée, pas un dialogue. Tu n'apprends rien sur pourquoi, comment, quand. Alors on va mettre une note. On va mettre une note. C'est gratuit, alors on va mettre 1 sur 20. Un point parce que c'est gratuit. Voilà. Allez, bravo Funcom, à la prochaine.